Pierre Billard vous présente l'anthologie du mystère. Mort d'une image. C'est le titre d'un roman de Maurice Bernard Andrebbe, publié en 1961. Et c'est aussi sous ce titre que l'adaptation radiophonique de ce roman, écrite par Charles Maître, a été diffusée en février 1962. Maurice Bernard Andrebbe est surtout connu comme traducteur de romans policiers anglais et américains. Mais il est aussi l'auteur d'une douzaine de romans policiers. Et dans un certain nombre d'entre eux, il met en scène une vieille dame, Madame Elvire Prentiss, qui possède le redoutable don d'éclaircir tous les mystères et de résoudre toutes les énigmes. Madame Prentiss, la vieille dame sans merci, comme l'appelle Andrebbe, a pour ami un vieux commissaire de police nommé Arsène Bréval. Étrange couple de détectives que nous allons voir bientôt à l'œuvre. Mort d'une image a pour interprète Charlotte Clasis, Yvonne Clèche, Julien Guyomard, Arlette Thomas, Marcel André, Louis Arbessier et Pierre Delbon. Arsène. Arsène, vous ne m'écoutez pas. Oh, erreur, Madame Prentiss, erreur. Oui. Car si mes yeux sont effectivement accaparés par les roses de votre jardin, ça ne m'empêche nullement de vous écouter. Mais, eh bien, j'ai besoin que vous m'écoutiez aussi avec les yeux. Diable. Ne me dites pas que votre ami Arsène va devoir céder le pas au commissaire Bréval. Bon, ici, à la campagne, j'espérais bien avoir été convié pour moi-même. Vous ne commencez pas déjà à vous montrer insupportable, voulez-vous? Nous sommes tous deux en vacances, presque voisins. Il était normal que je vous invite à passer un week-end. Et je vous assure que votre qualité de commissaire de police n'y était pour rien. Mais? Mais quoi? Ben, je vous le demande précisément. À vous entendre, j'ai la très nette impression qu'un changement est intervenu. Exact. Et si vous consentiez à me laisser parler, vous le sauriez déjà. J'ai reçu ce matin un coup de téléphone. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Vous êtes décidément très drôle, mon pauvre ami. La campagne semble vous réussir. Oui ou non, voulez-vous m'écouter sans m'interrompre? Mais ma chère amie... Bon, très bien. Donc, coup de téléphone d'une personne rencontrée il y a déjà longtemps, mais qui se souvenait de quelques enquêtes auxquelles le hasard me fit participer et du surnom qu'elle me valure. La vieille dame sans merci. Mais... Bon, continuez, continuez. Cette personne, une femme dont le nom vous dira peut-être quelque chose, n'a pas voulu se confier au téléphone, mais elle a beaucoup insisté pour que je lui rende visite cet après-midi. Oui, je sais. Je suis une très vieille dame et c'eût été à elle de se déranger. Seulement, cette femme a peur et ne veut pas prendre de risques. D'autre part, comme je savais que vous deviez venir et que vous seriez en voiture... J'ai pensé que vous ne refuseriez pas de m'emmener jusque chez elle. Me suis-je trompée? Certainement pas, voyons. Eh bien, dites-le alors. J'ai promis d'être là-haut pour 4 heures. Là-haut? Oui. La maison Dorian Orloff, c'est le nom de la dame,
est située sur la colline de Manilow. Oriane Orloff, la comédienne? Je crois qu'avant la guerre, elle faisait du cinéma, oui. Vous croyez? Mais c'est une plaisanterie, je suppose. Non, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas ignorer qu'Oriane Orloff a été l'une de nos plus grandes vedettes, sinon la plus grande. Mon cher ami, j'ai cessé de fréquenter les salles de cinéma du jour où celui-ci, devenu parlant, a obligé les spectateurs à se taire. Ah oui, je sais, mais tout de même. Il y a les journaux, il y a les affiches. Vous soyez gentil, ne m'obligez pas à vous dire aussi ce que je pense de la publicité. Alors, vous disiez... Je disais qu'Oriane Orloff était une vedette mondialement connue. Oui. Et je me préparais à ajouter que je fus l'un de ses plus fervents admirateurs. D'ailleurs, je vous avoue qu'aujourd'hui encore, à l'idée de faire sa connaissance... 25 ans après. Pardon? Je dis 25 ans après. Autant que je me rappelle, cette dame m'avait paru assez bien conservée. Mais enfin... conservé, tout de même. Ah oui, vous avez raison, je suis stupide. Pour un peu, je me préparais à me trouver devant l'idole de ma jeunesse. Espérons que vous ne tomberez pas de trop. Mais dites-moi, si elle était tellement célèbre, pourquoi a-t-elle cessé de tourner? Était-elle de ces femmes qui ne font carrière qu'avec un physique et sont incapables d'évoluer? Mais pas du tout. Non, malheureusement, elle s'est trouvée bloquée en Suisse durant toute la guerre. Or, si le pays est hospitalier... Il est hélas totalement dénué d'industrie cinématographique. Oui, sans doute. Mais d'autres vedettes avaient cessé de tourner qui n'en ont pas moins retrouvé leur place. C'est bien la preuve qu'Oriane Orloff était autre chose qu'une vedette. C'était une comédienne, ayant une très haute conception de son art et qui lui avait tout sacrifié. Après la libération, les journaux ont annoncé périodiquement sa rentrée, mais toujours prématurément. Elle était devenue extrêmement difficile quant au choix de ses rôles. Mais tellement difficile qu'on a fini par ne plus lui en proposer, je suppose. Eh oui. Et cela n'a fait qu'accroître mon admiration pour elle. Renoncer à la gloire plutôt que de céder à la vulgarité, ce n'est pas le fait de n'importe qui. Je commence à me demander s'il ne vaudrait pas mieux que vous m'attendiez dans la voiture, mon cher Arsène. Cela vous permettrait peut-être de garder intact votre belle image. Ouf. Eh ben, nous y voilà tout de même. Mais votre chère idole ne m'avait pas menti. Oh, c'est haut. C'est haut, mais quel coup d'œil. Ah oui, ça. Regardez. Eh ben, tout à l'heure, ça. Tirez d'abord sur cette sonnette. Oh, je meurs d'envie de m'asseoir un peu. Mais évidemment, ça, l'endroit est magnifique. Mais le chemin ne perdrait rien à être carrossable. Oh, je suppose que de toute façon... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est rien, mon cher, ce n'est rien. Sans doute un gamin qui fête la Saint-Michel, patron du pays. Vous ressemblez tout à fait à un chien en arrêt. Ça ressemblait tellement à un coup de feu. Une déformation professionnelle. Vous oubliez que vous êtes en vacances. Ouais. En tout cas, déformation professionnelle ou non, je trouve qu'on ne vient pas vite. Ah, si, tout de même. Mais, eh bien, on a mis le temps. Mais l'on vient en courant. Eh bien, ça, c'est une compensation. Monsieur, dame, je suis Madame Prentice et voici le commissaire Bréval. Un commissaire? De police? De police, oui. Mais comment se fait-il que vous soyez déjà là? Déjà là? Enfin, voyons, que se passe-t-il? Où est Mademoiselle Orloff? Dans son bureau, monsieur le commissaire. Elle vient de se suicider. Oh. Ma chère amie, pour cette fois, votre goût du mystère vous égare. Le suicide ne fait aucun doute. D'ailleurs, c'est tellement vrai que les gendarmes ne songent nullement à pousser leur enquête. Les gendarmes. Si la police judiciaire se range à l'avis des gendarmes maintenant... Et contrairement à ce que vous semblez croire, nous n'avons pas pour habitude de prendre le contre-pied de ce que dit la gendarmerie. D'autre part, vous oubliez que je ne suis pas ici à titre officiel et que les gens de cette maison pourraient fort bien ne pas nous tolérer. Vous êtes inouïe. Voilà une femme qui est en proie à la peur, au point de ne rien vouloir dire par téléphone. Elle me prie instamment de lui rendre visite, et à l'instant où je sonne à sa porte,
Elle se tire une balle dans le cœur. Oh, tirant d'ailleurs de la main gauche, alors qu'elle n'est nullement gauchère, et laissant un billet écrit lui aussi de la main gauche, qu'elle ne prend même pas la peine de signer. À part cela, comme vous dites, tout est parfaitement normal et le suicide est évident. Mais enfin, ma chère amie, nous étions à la porte du jardin lorsque le coup de feu a éclaté. Et nous nous sommes précipités dès que la sœur de la victime nous a ouvert la porte. Je suis arrivé juste à temps pour voir le docteur Servin enfoncer la porte. Et j'ai même été le premier à m'approcher d'Orian Orloff. Privilège dont je me serais d'ailleurs fort bien passé en dépit de l'admiration que j'avais pour cette femme. Oh, parlons-en de votre admiration. Quand on a aimé une femme, fût-ce en image, et que cette femme meurt dans des circonstances suspectes, il me semble que l'on devrait avoir à cœur d'y regarder d'un peu plus près. Mais... Et plus encore, lorsque je vous le demande. Car enfin, mon pauvre Arsène, et sans vouloir vous accabler, ce ne serait pas la première fois qu'Elvire Prentice y verrait plus clair que vous. Très bien, ma chère amie, très bien. Très bien. Seulement, vous me permettrez tout de même de vous faire remarquer que votre conviction repose sur des bases assez fragiles. Oui. Concernant l'emploi de la main gauche, par exemple, la petite bonne a expliqué... Orian Orloff s'est effoulé le poignet droit ce matin, je sais. Le seul ennui, c'est que cette fille semble avoir été seule au courant de cet accident et que personne ne peut le confirmer. Quant au billet non signé, je serais curieuse d'entendre votre explication. Bon... Mon Dieu, je crois tout simplement que vous attachez trop d'importance à cette absence de signature. Ah. Ayant exprimé le peu qu'elle avait à dire et pressé d'en finir, la malheureuse aura négligé de signer. Vous avez raison, c'est l'évidence même. Elle n'avait pas le temps de signer, mais elle avait celui de recapuchonner son stylo et de le ranger à sa place dans un tiroir. De même qu'elle avait pris, ayant fermé sa porte à double tour, le temps de retirer la clé pour la poser sur son bureau. Cela aussi, bien entendu, vous paraît normal. Bon, une personne qui s'enferme laisse généralement la clé dans la serrure. Mais... Je vous l'accorde. Ah. N'empêche que les désespérés se comportent souvent de façon inattendue. Et en définitive, je ne vois rien dans tout ça qui fasse vraiment songer à un crime. C'est bien ce que je dis, vous ne voyez rien. La fenêtre ouverte à un mètre du sol... La porte qui permet de rentrer dans la maison, tout ça ne compte pas. Parce que c'est ça votre idée. Parfaitement, c'est ça. Évidemment, il y a aussi le fait que la clé n'était pas dans la serrure et que l'assassin pouvait avoir un double ou un passe. Mais je le vois davantage après avoir tiré et mis le revolver dans la main de sa victime, sauter par la fenêtre et rentrer dans la maison. C'était l'affaire de quelques secondes. Et en définitive, rien n'empêche que l'assassin ait été le premier à se précipiter derrière la porte. Vous pensez au docteur Servat. Oui. Au moment du coup de feu, il était en compagnie de sa fiancée, la sœur de la victime. Une fiancée de 40 ans. Vous ne trouvez pas cet euphémisme un peu vieillot? Bon, Madame Thierry est veuve, si le docteur Servat compte l'épouser, je ne vois oui, pas. Oui, bon, peu importe. De toute façon, ils peuvent être très bien complices. Quant à Mariette, la petite bonne, elle était seule et n'est accourue que la dernière. Rien ne prouve qu'elle ne revenait pas du jardin. Autrement dit, et si nous admettons qu'il y a eu crime, vous pensez qu'il est forcément le fait d'une de ces trois personnes? À moins d'une quatrième cachée dans la maison, oui. Le jardin est fermé derrière par un mur infranchissable. Et nous étions sur le devant. Donc, l'assassin est forcément revenu dans la maison. Ouais. Mmh. Crime d'un familier, alors? Et à mon avis, immanquablement. Ça fait pas mal de possibilités et beaucoup de questions à poser. Comment comptez-vous vous y prendre? Pour commencer, nous allons rendre visite au notaire de la victime. Un vieux monsieur charmant, paraît-il, et son ami de longue date. Dans une affaire de famille, je suis d'avis de s'intéresser en premier lieu au testament. Oui, et ensuite? Eh bien, ensuite, nous reviendrons ici. Mais à quel titre? Au titre d'ami qu'Orian Orloff avait appelé à son secours. Ce pourrait être un peu mince, évidemment, mais Dieu merci. Vous êtes tout de même commissaire de police. En vacances, cher ami, en vacances. Oui. Ces gens-là ne sont pas obligés de le savoir, mon cher Arsène. Et d'ailleurs, c'est bien simple. À partir de maintenant, vous n'êtes plus en vacances. J'ai 80 ans, monsieur le commissaire. Et j'ai connu Orian Orloff alors qu'elle n'était encore qu'Odette Cazenave. Petite fille comme les autres, jouant dans les rues de Magny. Ah, oh, l'annonce de sa mort me bouleverse. Eh oui, je comprends. Et je le comprends d'autant mieux
que j'ai compté moi-même parmi ses innombrables admirateurs. Alors, dans ce cas, oui, je pense que vous pouvez me comprendre. Mademoiselle Orlov, voyez-vous, c'était un être exceptionnel, véritablement. Pardonnez-moi, maître Rivière, mais j'aimerais vous demander de préciser votre pensée. La jugiez-vous exceptionnelle parce que très belle et très célèbre? Ou bien avait-elle à vos yeux d'autres qualités? Elle avait 1000 qualités, madame, mais sa bonté et sa générosité les dominaient toutes. Pour sa sœur d'abord et pour son fils adoptif ensuite, elle avait renoncé à toute vie personnelle. Et plutôt que de se marier brillamment, comme elle aurait pu le faire 100 fois, elle est toujours restée auprès des siens. Et quel âge avait-elle exactement? 55 ans. Mais je vous assure que si elle n'avait pas renoncé à l'écran, elle eût pu faire tourner encore bien des têtes. Et pourquoi a-t-elle renoncé? Parce qu'elle était une grande dame et qu'on ne lui proposait que des inepties. Peut-être suis-je trop âgé pour juger impartialement, mais franchement, le cinéma d'aujourd'hui... Oui. Est-ce qu'elle laisse une très grosse fortune? Une très grosse fortune, ce serait beaucoup dire. Mais enfin, elle avait gagné beaucoup d'argent qu'elle avait eu la sagesse de ne pas dilapider. Comme d'autre part, j'avais été assez heureux pour lui conseiller quelques bons placements, elle pouvait vivre sans souci du lendemain, encore qu'assez modestement. Si l'on compte ses bijoux, dont elle n'a jamais voulu se défaire, sa succession doit se monter à 60 millions. En ancien franc, bien entendu. Et qui va hériter? Mon Dieu, madame... Oui, ma question est indiscrète, je sais. Mais votre réponse nous permettrait sans doute de gagner du temps. N'oubliez pas que votre cliente avait souhaité me voir pour affaires confidentielles. Eh bien, je pense que la présence de monsieur le commissaire m'autorise à vous répondre. D'ailleurs, les dernières volontés de mademoiselle Orlov seront forcément connues du grand public. Elle laisse tous ses bijoux religieuse de la Sainte-Croix. Ah. Et c'est dire qu'elle était très croyante? Franchement, je ne le pense pas. Et je vous avoue avoir été très surpris par cette décision, laquelle ne date d'ailleurs que de quelques jours. Quoi, vous voulez dire qu'elle avait modifié récemment ses dispositions testamentaires? Oui. Dans le testament précédent, établi lors de l'adoption du petit Jacques, il y a maintenant 15 ans de cela, les religieuses n'étaient pas mentionnées. Tiens, et qui héritait? Eh bien, Jacques Cazenave, le fils adoptif, pour les 3/4. Et Madame Thierry, la sœur, pour le dernier quart. Et aujourd'hui? En sa qualité d'héritier réservataire, Jacques Cazenave touchera la moitié de la succession et Madame Thierry le reste de la quotité disponible. La quotité, c'est-à-dire? Je vous demande pardon, mais ces termes de droit ne me sont guère familiers. C'est très simple. L'unique héritier réservateur touchant la moitié, l'autre moitié représente la quotité disponible. Ah. Oui, nous soustrairons donc de cette seconde moitié la valeur des bijoux allant aux religieuses, et Madame Thierry touchera l'orliquat. Oui, à condition qu'il y en ait un. Évidemment. Oui, je vois. Et autrement dit, et si la valeur des bijoux venait à représenter la moitié de la succession, la sœur de mademoiselle Orlov ne toucherait plus rien. Exactement. Et j'ai bien peur, à peu de choses près, que ce ne soit précisément le cas. En somme, en léguant ses bijoux aux religieuses, Oriane Orlov a quasiment déshérité sa sœur. Cela peut s'entendre ainsi, oui. Et elle le sait? Non. Ma cliente avait insisté pour que ces nouvelles dispositions restent secrètes. À l'heure qu'il est, Madame Thierry s'attend certainement à un héritage important. Mmh.
encore une fois, ma chère amie. Mais oui, je sais. Vous êtes en congé, hors du département de la Seine, et ne pouvez vous prévaloir d'aucun titre. Eh bien, contentez-vous de sonner et laissez-moi faire. D'ailleurs, c'est bien simple, si vous êtes tellement persuadé qu'il s'agit d'un suicide et que nous n'avons rien à découvrir ici, libre à vous de faire une petite promenade en m'attendant. Cette affaire n'est pas claire, je vous l'accorde. N'empêche qu'aux yeux de la loi, nous n'avons pas l'ombre d'un indice valable. Les yeux de la loi n'ont jamais intimidé Elvire Prentice, mon cher Arsène. Vous devriez le savoir. Quant aux indices, ajoutés à mon intuition, ils me paraissent plus que suffisants. Votre intuition est une chose et... Chut ! Taisez-vous. Ou je me trompe fort, ou voici le fils adoptif de la victime. Madame ? Monsieur ? Monsieur Jacques Cazenave, je présume. En effet, oui. Je suis... Madame Elvire Prentice, je sais. Et monsieur est le commissaire Bréval. Vous désirez ? Nous entretenir avec vous, ainsi qu'avec madame, votre tante. Désolé, mais le moment me paraît mal choisi. Ma mère est encore dans la maison, sur son lit de mort. Nous n'ignorons pas, monsieur Cazenave. Et nous sommes navrés de vous importuner en un pareil moment. Malheureusement, quelques points ont besoin d'être éclaircis et le plus tôt sera le mieux. Si vous insinuez par là que ma mère aurait pu être assassinée, c'est parfaitement ridicule. Puisque vous en êtes tellement persuadé, jeune homme, vous devez pouvoir nous expliquer son suicide. Elle a écrit qu'elle était lasse et sans courage. Cela ne vous suffit pas? Non, pas tout à fait. Pour qui la connaissait, c'est assez clair. L'idée de la vieillesse lui était insupportable, moi c'est tout. Là-dessus, vous m'excuserez, mais je... Un instant, monsieur Cazenave. Avant que vous ne refermiez cette porte, je tiens à vous mettre en garde. Le matin même de sa mort, c'est-à-dire hier matin, Oriane Orloff m'a téléphoné parce qu'elle avait peur et pour m'appeler à son secours. D'autre part, tout de suite après son prétendu suicide, le commissaire Bréval et moi-même avons relevé certains détails pour le moins suspects. Je ne vous dirai pas que nous détenons les preuves d'un assassinat, mais il y a cependant de quoi faire réfléchir éventuellement un juge d'instruction. Très bien. Entrez. Personnellement, je n'ai rien à vous dire, mais je ne vous empêche pas de voir ma tante. Vous en faites. Merci. Pourrais-je vous poser une question, monsieur Cazenave ? Je vous en prie. Où étiez-vous hier après-midi ? À Paris, chez des amis. Mais si vous voulez que je vous le prouve, il vous faudra revenir officiellement, monsieur le commissaire. Pourquoi êtes-vous tellement agressif, jeune homme ? Parce que je trouve vos soupçons ridicules. Et votre insistance déplacée. Jacques, je t'en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, madame Thierry. Je vous laisse. Et je te signale, ma tante, que tu n'es nullement tenue de répondre. Venez par ici. Et excusez mon neveu, je vous en prie. Il s'efforce de ne pas le montrer, mais cette mort brutale l'a beaucoup touché. Dans ce cas, il doit vraiment faire un très gros effort. Je vous assure que généralement, Jacques est un garçon aimable et très sensible. Mais asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Madame Thierry... Hier après-midi, lors de la découverte du drame, le commissaire et moi avons fait quelques constatations assez troublantes, lesquelles nous ont paru mériter quelques éclaircissements. Comme vous l'a si bien dit votre neveu, vous n'êtes pas tenu de nous répondre. Cependant, si vous n'avez rien à cacher, je crois tout de même que cela vaudrait mieux. Mon Dieu, madame, je ne refuse pas de vous répondre, mais je vous avoue que je ne comprends pas très bien. Les gendarmes eux-mêmes... Les gendarmes ignoraient que votre sœur m'eût appelé à son secours. Et j'ai préféré n'en rien dire sur l'instant. Bien entendu, je peux encore changer d'avis. Que voulez-vous savoir exactement ? Voici. Hier, au moment du coup de feu, vous étiez dans cette pièce, en compagnie du docteur Servat, et Mariette, la petite bonne, était dans la cuisine. Si vous permettez... Un instant. Le coup de feu a claqué, vous vous êtes précipité vers le bureau de votre sœur, et ne parvenant pas à ouvrir la porte,
vous avez regardé par le trou de la serrure. Après quoi, presque aussitôt, vous avez couru pour répondre à notre coup de sonnette. D'où je déduis qu'à ce moment-là, la bonne n'était pas encore apparue. Personne ici, madame, n'est spécialement chargé de l'ouverture de la porte. Mariette, que vous prenez pour la bonne, est tout simplement ma fille. Votre fille? Oui. Ma sœur avait une façon bien à elle de concevoir l'hospitalité. Il n'y a jamais eu dans cette maison d'autres domestiques que ma fille et moi-même. Mais enfin, mais enfin, pourquoi n'avoir rien dit? Vous n'avez pas pu ne pas remarquer hier que nous prenions cette jeune fille pour la bonne. C'est-à-dire que vous-même n'avez pas dû parler beaucoup avec elle. Si vous lui aviez parlé de sa tante comme d'une patronne, elle vous aurait certainement détrompé. Oh, et puis est-ce tellement important? Je ne sais pas, peut-être. Une confusion de personnes est toujours regrettable. Est-ce que vous vous entendiez bien avec votre sœur, madame Thierry? Non. Ma sœur était un être monstrueusement égoïste et incapable de la moindre affection. Ce n'est pas l'avis de Maître Rivière. Maître Rivière était avant tout un admirateur. Il n'a pu vous parler que du personnage d'Orian Orloff. Moi, je vous parle de la femme qui vivait ici. Et dont vous acceptiez l'hospitalité depuis près de 15 ans. Pour des raisons pratiques de part et d'autre, oui. Ma fille avait 3 ans lorsque j'ai perdu mon mari. J'étais sans ressources. Et j'ai trouvé ici un abri. En échange, ma sœur avait une maison confortable qui marchait à peu de frais et quelqu'un pour élever le garçon qu'elle venait d'adopter. Quel âge avait-il? 9 ans. Il en a 24 aujourd'hui. Et que fait-il dans la vie? Il est employé dans une banque de Montargis. Il aurait aimé pousser ses études, mais la bonté d'âme de ma sœur n'est pas allée au-delà du bachot. Adopter un orphelin de guerre et le mener jusqu'au bachot, ce n'est déjà pas si mal. Ce fut surtout de sa part un très beau geste qui fit beaucoup parler d'elle durant quelque temps. Pour le reste, si je n'avais pas été là, le pauvre se fût bien vite retrouvé dans une quelconque pension. Décidément, madame Thierry, votre jugement me paraît sévère. Après tout, il est normal qu'une grande artiste ne puisse se préoccuper de certains détails mineurs. Ma sœur n'a jamais été une grande artiste. D'ailleurs, à l'époque, elle était déjà une ancienne vedette. Ah, là, vous exagérez. Non. Avant la guerre, du temps de sa splendeur, elle voyait notre mère 2 fois l'an et lui remettait 500 francs pour ses étrennes. En 40, elle a fui en Suisse et y est restée jusqu'à la Libération. Après quoi, à son retour, elle a trouvé le moyen de lasser tous les producteurs par ses prétentions exorbitantes. Et si la presse a souvent déploré son absence, croyez bien qu'il n'en fut pas de même dans les studios. Elle n'a jamais aimé personne et elle était cordialement détestée. Franchement, madame, il m'est difficile de ne pas croire à un parti pris de votre part. En dépit d'un certain égoïsme qu'impose toujours plus ou moins l'exercice d'un art, votre sœur n'en avait pas moins sacrifié toute vie personnelle. À son métier d'abord, et quoi que vous en disiez, à sa famille ensuite. Car enfin, au lieu de s'installer ici avec vous, elle eût pu faire un mariage brillant et continuer de vivre à Paris. Et je sais de source sûre qu'elle avait décliné des propositions très flatteuses. C'est exact, monsieur le commissaire. Mais ça vient tout simplement de ce que ma sœur était intelligente. Sa vie privée, sacrifiée à son art, ça faisait partie de la légende, du mythe Orloff. En réalité, elle était bien trop consciente pour se risquer sur ce terrain découvert qu'est la vie conjugale. Briller dans la journée devant une caméra, et le soir au bras d'un amant, c'était à sa mesure. Et c'était toute sa mesure. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? D'abord, pourquoi tu l'as laissée rentrer? Parce que je la crois parfaitement capable de déposer une plainte ou d'alerter la presse. Et après? Tu as quelque chose à cacher, toi? Mais non, mon cher, mais non. Seulement, je pense que nous serons plus vite débarrassés de ces deux-là que de policiers en mission officielle. Oui, tu as raison. Et des journalistes, tu crois qu'il en viendra beaucoup? Bon, ça m'étonnerait. De toute façon, ils viendront plutôt pour les obsèques. Tu as du chagrin? Non. D'abord parce qu'elle n'a jamais rien fait pour qu'on puisse la regretter beaucoup, et puis... C'est elle qui a décidé de mourir, non?
Peut-être, oui. Comment ça peut-être? Tu ne vas pas commencer à te monter la tête, toi aussi? Non, assure-toi. Encore qu'à force d'insistance, ces deux Ostrogoths finiraient par nous donner des idées. Si tu veux mon avis, cette vieille bonne femme est complètement... Ah, vous êtes là, les enfants. Le commissaire voudrait te poser quelques questions, Marielle. Oh, il nous embête. Dis-lui qu'il revienne après les obsèques. Non, 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 il faut y aller, ma chérie. Oui, ta mère a raison. Mieux vaut en finir tout de suite. Viens, je t'accompagne. Bon, très bien. Mamie, est-ce que vous leur avez dit pour... Enfin, pour Mariette et moi? Non. Alors convenons de ne rien dire, c'est aussi bien. Mais pourquoi? C'est un crime de vouloir se marier? Et non, bien sûr, mais dès l'instant où Ariane s'opposait à notre mariage, ce pourrait être immobile. Inutile de leur donner des idées, ils en ont suffisamment comme ça. Allez, allons-y. Mariette. Maman. Mariette, si l'envie te prenait d'être insolente, dis-toi que cette Madame Prentice est tout de même très âgée. J'y penserai, mais je te promets rien. C'est vrai, ça. Elle a qu'à rester chez elle à tricoter, cette bonne femme-là. Tu as téléphoné au curé, chérie? Oui, il m'a promis de passer vers midi. Mais pour les obsèques, il avait l'air plutôt embarrassé. Et puis maintenant, t'as je ne pas trop m'appeler chérie, tu veux? On peut entrer? Entrez, monsieur Cazeneuve. Ah, bonjour, mademoiselle Thierry. Monsieur le commissaire, madame. Oui, je me suis permis d'accompagner Mariette. Peut-être y gagnerons-nous du temps. Pressée de nous voir partir? Très franchement, oui. C'est assez normal. Et je comprends votre réaction, mademoiselle. Néanmoins, si nous sommes importuns, ne croyez pas que ce soit par plaisir. Autant que je sache, ce n'est pas non plus par devoir. C'est vrai. C'est vrai. Mais je me suis déjà expliqué là-dessus. Si nous voulons gagner du temps, mieux vaudrait que vous répondiez à mes quelques questions. Que pensez-vous du suicide de votre tante, mademoiselle? Vous est-il étonnée? Oui, bien sûr. Oui. Donc vous ne la saviez pas neurasthénique? Je le pensais d'autant moins qu'elle ne l'était certainement pas. Ah. Et comment expliquez-vous son geste, alors? Je ne sais pas, moi. Un coup de cafard, une lassitude soudaine. Vous savez, au fond, sa vie n'était pas très drôle. Et pourquoi? Elle était sans amis, sans occupation. Elle se regardait vieillir et... elle n'aimait pas ça. Et puis... Et puis? Ma mère devait se remarier prochainement, alors ma tante a peut-être eu peur de se retrouver seule. Il lui restait son fils. Bon, à vrai dire, madame, je n'ai jamais compté beaucoup pour elle. Elle m'avait adopté, elle a pourvu mon éducation. Je lui en avais de la reconnaissance. Mais elle ne s'est jamais vraiment intéressée à moi. En fait, ma véritable mère adoptive serait plutôt Madame Thierry. Ah. Ah, je vois, je vois. Et mademoiselle Thierry, vous nous avez dit hier que votre tante s'était foulée le poignet de la main droite en tombant dans le jardin. Comment se fait-il que votre mère n'en ait rien su? Je suppose qu'elle ne lui en aura pas parlé. Tout simplement. Ah. Et à quelle heure cet accident? Elle m'en a parlé vers midi alors que je montais pour faire sa chambre. Vous êtes certaine que ce n'était pas après le déjeuner, par exemple? Oh, ça oui, ça j'en suis sûre. Je ne me souviens pas de l'heure exacte, mais enfin... c'était avant le déjeuner. Alors, dans ce cas, comment expliquez-vous qu'à table, votre mère ne se soit aperçue de rien? Et du moment qu'elle n'en a pas parlé et qu'elle ne paraissait pas souffrir, ma mère ne pouvait pas deviner. Et vous n'avez pas été étonnée, quant à vous, de voir votre tante couper normalement la viande qui lui était servie? Non. Eh, je vous envie votre boucher, mademoiselle. Parce que couper un beefsteak alors que l'on est par ailleurs incapable de tenir un stylo, il faut réellement une viande bien tendre. Dans la douleur, il y a des hauts et des bas. Regan pouvait avoir moins mal à l'heure du déjeuner qu'un peu plus tard. Oh, laisse, Jacques. Moi, j'ai dit ce que je savais, c'est la vérité. Alors, peu importe que l'on me croie ou pas. Le commissaire Bréval n'a pas dit cela, mon enfant. Nous cherchons à comprendre, tout simplement. Vous appeliez votre mère par son prénom, monsieur Cazeneuve. C'est elle qui m'avait demandé, oui. Ah. Elle voulait... Monsieur le commissaire. Madame Thierry. Le docteur Servat vient d'arriver et désire vous parler. Ah. Je m'excuse de vous interrompre, monsieur le commissaire, mais ce que j'ai à vous dire est important et mieux vaudrait sans doute que nous n'attendions pas. Eh bien, nous vous écoutons, docteur. Si vous le permettez, c'est confidentiel. Venez, Jacques.
Toi aussi, Mariette. Si monsieur le commissaire a besoin de vous, il vous rappellera. Eh bien, docteur, nous vous écoutons. Pourquoi tant de précipitation ? Parce que je viens seulement d'apprendre votre présence et pourquoi vous êtes là. Franchement, je tombe des nues. Qu'est-ce à dire ? Que pour vous, le suicide est évident. Enfin, de même que pour la police. La police officielle, si vous permettez. Oui, oui, ça, nous finirons par le savoir. Mais je préférerais que vous nous disiez d'où vous tenez, vous, votre conviction. Oh, c'est très simple. Orian Orloff était très malade. Oui. Condamné à brève échéance. Il y a 2 mois, sous prétexte de dispositions à prendre, elle m'avait arraché la vérité sur son état. Et depuis combien de temps la soignez-vous ? Oh, depuis mon installation à Manille, il y a 2 ans. Oui. Sans qu'elle s'en doutât, le mal était déjà très profond. Dès que j'ai eu décelé les premiers symptômes, je l'ai fait se soumettre à toutes les analyses nécessaires. Et le diagnostic fut établi par les meilleurs spécialistes. À l'insu de votre cliente, donc. Oh, c'est la pratique la plus répandue. Il n'est pas facile d'infliger à un être, peut-être inutilement, des jours et des jours d'angoisse. Bien sûr. D'autre part, vous ne devez pas l'ignorer, la majorité des malades préfèrent presque toujours un mensonge rassurant à la vérité. Et c'était le cas de Mademoiselle Orloff. Je pense que oui. Si je lui avais dit la vérité il y a 2 ans, elle n'aurait peut-être pas attendu jusqu'à hier pour commettre son geste. Admettons. Mais alors pourquoi la lui avoir révélée il y a 2 mois ? Mais parce qu'elle l'avait exigé, je vous l'ai dit. De plus, les calmants que j'avais prescrits jusque-là devenaient nettement insuffisants et je crois qu'elle commençait à soupçonner la nature de son mal. Mais pourquoi n'avoir jamais prévenu les siens ? Généralement, cela se fait, non ? Étant donné que j'étais appelé à entrer moi-même dans cette famille, j'ai préféré le garder pour moi. Et personne n'a jamais rien deviné. Pourtant, j'imagine que votre malade était tenu de vous voir souvent. Il n'était pas obligé de sortir en précisant qu'elle venait chez moi. D'autre part, il m'arrivait de la voir ici. Mais... Et puis... Oui ? Eh bien... Elle s'était mise à me faire ostensiblement du charme. Et je vous avoue que je n'ai jamais pu déterminer si elle agissait ainsi pour masquer le but de ses visites ou pour faire enrager sa sœur. Parce que sa sœur enrageait. Non, pas à proprement parler. Non, mais enfin, il est bien évident que ce manège ne pouvait pas lui faire plaisir. Depuis combien de temps êtes-vous fiancée à Madame Thierry ? Un peu plus d'un an. Vous allez me trouver indiscrète, docteur, mais tant pis. Ayant moi-même 75 ans, je crois pouvoir me permettre de vous demander votre âge. Oh, madame, j'ai 40 ans. 40 ans ? Oui. Et vous êtes fiancée à Madame Thierry, laquelle est veuve et doit avoir sensiblement le même âge. Vous comptez prolonger vos fiançailles encore longtemps, docteur ? Je comprends que cela vous paraisse ridicule, mais nous y sommes malheureusement forcés. Premièrement, parce que je ne suis pas riche et que j'achève tout juste de payer la clientèle que j'ai rachetée ici. Secondement, pour nous installer, il me faudrait une petite maison. Enfin, et ceci est peut-être plus important que cela, il y a les enfants. Les enfants. Et Jacques et Mariette, oui. Du fait qu'Oriane ne voulait pas entendre parler de leur mariage, il... De leur mariage ? Comment ? Vous ne savez pas ? Première nouvelle. Mais ils sont cousins. Oh, pas par le sang, monsieur le commissaire, seulement du fait de l'adoption. Oh, tout de même, ils auraient été élevés comme frères et sœurs, non ? Et ils s'aimaient comme frères et sœurs, vous avez raison. Du moins, le croyait-il. Jusqu'au jour où... Au retour de son service militaire, Jacques a retrouvé une jeune fille au lieu de l'adolescente qu'il avait laissée. Et je vois. Et Orian Orloff s'opposait à ce mariage. Par esprit de contradiction, probablement. Et peut-être aussi par jalousie. Elle disait volontiers que l'on ne peut pas être et avoir été, mais en définitive, je crois qu'elle l'acceptait difficilement. Oui. En somme, dans un sens... Sa disparition arrangeait plutôt les choses. C'est parfaitement exact, et personne ici ne songe à le nier. Mais si vous en profitez pour imaginer... Rassurez-vous, personnellement, j'ai très peu d'imagination. Madame Prentiss a la réputation d'en avoir pour deux. Dois-je le prendre pour un compliment ? Oh, si vous voulez. Ah. Seulement reconnaissez qu'après ce que je viens de vous dire, vous n'en aurez plus besoin dans cette maison. Le docteur a raison, ma chère amie. La maladie d'Orian Orloff explique parfaitement son suicide. Cela dit, docteur, et par simple curiosité,
J'aimerais vous poser une dernière question. Si c'est vraiment la dernière. Je vous donne ma parole qu'ensuite nous prendrons congé. Non, je voudrais simplement savoir si, lorsque vous êtes arrivé ici hier, vous avez vu Orian Orlov. Oui, je l'ai vu. Vous l'avez salué. Ah, évidemment. Comment? Eh bien, mais comment? Le plus simplement du monde, en lui serrant la main. Et vous n'avez rien remarqué d'anormal? Non. Par conséquent, indiscutablement, elle vous a tendu la main droite. Décidément, ma chère amie, force m'est de rendre hommage une fois de plus à votre perspicacité. Il s'agissait bel et bien d'un crime, et sans vous, je passais à côté. J'accepte vos hommages, et j'apprécie votre humilité, mon cher Bréval. Mais n'oubliez pas qu'il nous reste à découvrir le coupable. Dites plutôt le, là ou les coupables, parce que malheureusement, tout est possible, et j'ai l'impression que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Tout est possible, tout est possible. Je crois qu'en procédant par élimination, nous devrions approcher de la vérité. Encore une tasse de thé? Volontiers, oui. Oui. Par exemple, je crois que nous pouvons exclure d'emblée le crime organisé par les trois membres de la famille. Et le docteur Servat réuni. Encore qu'ils aient tous ou intérêt à cette disparition, ça, je les vois mal en train de tenir conseil pour trouver le moyen de supprimer Orian Orlov. Ou d'ailleurs, dans ce cas, il est probable qu'ils auraient trouvé plus simple que ce faux suicide, somme toute assez mal organisé. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Bon. Cela dit, et si vous le voulez bien, je serais d'avis de retirer définitivement le docteur Servat de la liste des coupables possibles. Sachant sa cliente condamnée à brève échéance, il eût sans doute préféré patienter. À condition qu'elle ait été vraiment malade. Ce qui reste à prouver. Car enfin, en dehors du docteur lui-même, personne ne semble avoir été au courant. Oui, ça c'est vrai. Mais la chose est facilement contrôlable. Et le mensonge serait un peu gros. Oui, oui, admettons. Restent les trois habitants de la maison. Mais, et là encore... Je ne les vois pas très bien agissant ensemble. Ah, pourquoi? N'ayant pas intérêt à faire compromettre le docteur, il n'aurait pas choisi d'agir pendant qu'il était là. Ah, pardon, pardon. Ce pouvait être un parfait témoin. Oui, ça, si vous voulez. Mais alors, pourquoi se priver de cet autre témoin qu'aurait pu être Jacques Cazenave? Et comment ne se serait-il pas mis d'accord sur cette histoire de poignet foulé? Ouais. Bon, vous avez raison. Cela réduit à deux le nombre des complicités possibles. D'une part, Jacques et Mariette ensemble, ou alors Jacques étant absent, les deux femmes. Pour les deux femmes, mon cher, même objection que ci-dessus. Tiens. Elles se seraient forcément entendues sur cette main accidentée. Ouais, et pour le couple? Invraisemblable. Un garçon de 24 ans, laissant à une jeune fille de 19 le soin de commettre le crime qu'ils ont décidé. Oui, ce serait tout de même assez énorme. Et qui vous dit que Jacques Cazenave n'était pas caché dans la maison? Mon petit doigt. Oh, non, soyons sérieux, voulez-vous. La maison est assez grande pour qu'il ait pu s'y cacher une fois le crime accompli. Et je vous rappelle qu'il a refusé de nous fournir le moindre alibi. S'il a refusé, c'est probablement qu'il en a un. Ou alors, il est complètement idiot. C'est ce qui m'étonnerait beaucoup. Bon, alors quoi? Pas de complicité? Le crime d'un seul. Ce n'est pas votre avis? Mon avis, je ne sais plus. Vous avez une façon de simplifier qui embrouille tout. Aucune importance. Continuons à éliminer. Bon, moi je veux bien. Seulement si vous croyez vraiment à l'absence de Cazenave, il ne reste plus que les deux femmes. Puisque nous avons opté pour un assassin solitaire, ben c'est encore une de trop. Évidemment. Et comme la mère n'a pas dit un mot de cette prétendue foulure... laquelle devait justifier le billet écrit de la main gauche, nous sommes bien obligés d'en déduire que ce n'est pas elle. Donc, pour vous, Mariette est coupable? Bon, ma foi, elle est la seule à nous avoir parlé de ce sacré poignet. Mais au moment du coup de feu, personne ne sait où elle était. À première vue, c'est assez dur à avaler, évidemment. Pourtant, en y réfléchissant, je crois que je commence à entrevoir une explication. Eh bien, allez-y, je vous écoute. Eh bien, voilà. Cette gosse... a dû avoir le sentiment qu'elle allait tout arranger et sauver tout le monde. Oui.
Le docteur pourrait enfin épouser sa mère, elle son amoureux, et la maison qui revenait à Jacques serait assez grande pour eux quatre. En tenant compte du peu d'affection qu'elle avait pour sa tante et en mettant l'exaltation de la jeunesse par-dessus, elle a même dû se prendre pour une sorte de justicière héroïque. Oui, ça, effectivement, tout cela se tient assez bien. Seulement, je serais curieuse de savoir quelle imprudence elle a bien pu commettre pour que sa tante devine son projet. Ah, comment ça? Et le coup de fil d'Oriane Orloff, qu'en faites-vous? Je me sens menacée, j'ai peur. Et si elle soupçonnait sa nièce de vouloir la tuer, comment s'est-elle laissée surprendre? Enfin, ma chère amie, où voulez-vous en venir? Nous venons d'éliminer un à un tous les suspects, et maintenant... Et maintenant, j'élimine la dernière. Car je suis persuadée que cette jeune personne n'a pas tué sa tante. Bon, bah alors dites tout de suite que personne ne l'a tuée. Ce serait plus simple. Eh bien, ma foi, oui. Je le dis. Personne n'a tué Oriane Orloff. L'idole de vos 20 ans s'est suicidée, mon cher. Madame Prentice, je serais heureux de vous voir renoncer à ce jeu favori qui consiste à vous payer ma tête. C'est vous-même qui avez découvert les indices de ce crime. Un instant, cher Arsène. J'ai découvert des indices, c'est vrai. Et je les ai découverts d'autant plus facilement qu'ils avaient été créés tout exprès pour moi. Dieu merci, il y en avait finalement un peu trop. Et c'est ce qui m'a fait découvrir la machination. La machination? Et vous allez comprendre. Seulement, je vous préviens que vous allez également devoir renoncer au souvenir de votre belle image. Parce que si j'ignore ce que valait votre Oriane Orloff comme comédienne, je peux vous assurer, par contre, qu'elle était une garce comme on n'en voit pas deux dans sa vie. Au-dessus de moi, ma chère amie, il faut toujours que vous exagériez. Ah oui? Eh bien, voyons un peu. Voulez-vous? Vous savez déjà qu'après avoir renoncé, par excès de prétention, au cinéma, cette femme déjà peu affective était devenue terriblement aigrie. Sur ce point, tout ce qui nous a été dit est probablement exact. Bon. Maintenant, réfléchissez un instant. Je ne fais que ça. Et essayez d'imaginer quelle a pu être sa réaction lorsqu'elle a su qu'elle était condamnée. Et ce qu'a pu déclencher en elle l'idée que sa disparition arrangerait tout le monde. Bien sûr, si elle avait pu laisser toute sa fortune à des œuvres, elle se serait peut-être contentée de cela. Malheureusement, elle ne pouvait rien contre la moitié qui revenait légalement à son fils adoptif. Et cette moitié, à elle seule, représentait une belle maison et suffisamment d'argent pour faire le bonheur de 4 personnes qui s'entendaient déjà parfaitement. Il fallait donc, l'idée de ce bonheur futur étant insupportable, trouver quelque chose. Et c'est ainsi que nous en arrivons au plan machiavélique que vous commencez sans doute à deviner. Non, pas de devinette avec vous, je me méfie. Continuez. Oh, c'est très simple. Voulant échapper aux souffrances qui l'attendaient et empoisonner du même coup la vie de ceux qui lui survivraient, Oriane Orloff décide de mettre fin à ses jours. Mais en s'arrangeant pour que son suicide ait l'air d'un faux suicide, autrement dit d'un assassinat. Et le plus fort, c'est qu'elle a volontairement évité de désigner un coupable précis. Elle a non seulement voulu que tous puissent être suspectés, mais elle a sans doute espéré qu'ils finiraient par se suspecter les uns les autres. Sauf son fils, pourtant. Mais ça peut être. Mais ce n'est même pas sûr. Et de toute façon, elle le touchait à travers Mariette. Cette pauvre Mariette qu'elle devait détester en premier lieu, et à qui elle raconta le matin même qu'elle était tombée et s'était foulée le poignet. La pauvre gosse étant seule à rapporter cette femme, cela devait forcément lui attirer des ennuis. Quant au billet non signé, au stylo rangé soigneusement à sa place et à la clé retirée de la serrure, tout cela devait forcément faire naître des soupçons. Peut-être pas dans l'esprit des gendarmes, mais certainement dans celui d'Elvire Prentice, mise en alerte par son coup de téléphone. Il ne lui restait plus qu'à guetter notre arrivée, ce qu'elle dut faire du premier étage, puis à redescendre s'enfermer dans son bureau.
Après quoi, notre coup de sonnette lui indiquant que nous sommes à la porte, elle se tire une balle dans le cœur. C'est monstrueux, c'est machiavélique, c'est tout ce que vous voudrez. Mais il faut avouer que la dame ne manquait pas de sang-froid. Pas plus que vous d'imagination, ma chère. Parce qu'enfin, et même si tout ça se tient assez bien, vous ne pourrez jamais le prouver. Je pense que si. Regardez. Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Le cahier qui était dans son bureau et sur lequel elle prenait parfois des notes. Vous l'avez volé ? Non, mon cher. Je l'ai demandé tout à l'heure à Madame Thierry et elle a bien voulu me le confier. Bon, et alors ? Oriane Orloff avait arraché la dernière page sur laquelle elle est écrite. Mais elle avait dû écrire avec tant de force et même de rage que la page suivante est presque un duplicata. Oui, mais qu'y a-t-il décrit ? Oh, trois petites phrases très brèves, mais qui en disent terriblement long. C'est daté d'il y a 2 mois. Probablement du jour où elle a connu la vérité sur son état de santé. Écoutez plutôt. Quelques mois, peut-être un an. Mais eux resteront et ils auront tout. Cela ne sera pas, je ne veux pas que cela soit. C'est effrayant. Et dire que grâce à nous, elle a failli réussir. Comment ça, grâce à nous ? Ah ben, en fait, vous avez raison. C'est grâce à vous que je devrais dire. Parce que tout de même, sans vous, je m'en tenais au suicide, moi. Au suicide banal et sans explication. Mais avouez que la vérité méritait d'être connue. Je me le demande. Mort d'une image. Ce film radiophonique de Charles Maître, d'après le roman de Maurice Bernard Andrèbe, avait pour interprètes Charlotte Clasis, Yvonne Clesch, Julien Guyomard, Arlette Thomas, Marcel André, Louis Arbessier et Pierre Delbon. L'anthologie du mystère vous était présentée par Pierre Billard.